apostolique des rites orientaux de France et d'Afrique en collaboration avec l'ONG Betzel, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère famille des peuples organise. 40 jours de jeûne, 40 jours de jeûne et de prière pour préparer la Noël et sécuriser la fin de l'année. Du 14 novembre au 24 décembre 2019, thème, jeûne et prière de la nativité pour accoucher de votre miracle à Libertatis Arena à Angrigeste aussi. Jeûne tous les jours du 14 au 24 décembre, prière tous les dimanches, veillée de prière le 24 décembre. Notez bien, car de transport au tarif de 500 et 1000 francs CFA, départ des communes à partir de 13h les dimanches, prédicateur, Abba, Achiapa Comari et le collège de Wise Men. Infoline 01 31 51 06, entrée gratuite. L'Église orthodoxe apostolique des rites orientaux de France et d'Afrique en collaboration avec le ministère marial et prophétique des guerriers de prière, l'ONG Betzel et le ministère famille des peuples organisent la Bohème Exercence, l'école des cadres et hommes d'affaires en milieu africain. Thème, nos ouvriers dans nos affaires et nos entreprises, les anges de Dieu. Prédicateur, Abba, Achiapa comme Marie. Vendredi 22 novembre 2019, à partir des 19h, au Centre d'Excellence d'Angers, près de la paroisse Saint-Ambroise Mavigne, au programme Cocktail d'affaires et échanges B2B, enseignements, témoignages, prières, orientation prophétique. Notez bien, entrée sous condition et dress code, tenue de ville. Infoline 08 11 39 50 07 33 82 79. La Bohème Exercence, l'école des cadres et hommes d'affaires en milieu africain. Parce que le bien-être vient de Dieu. À votre attention, ceci est un témoignage diffusé sur autorisation de la personne concernée pour édifier et fortifier les chrétiens dans leur marche à la suite du Christ. Que ce témoignage raffermisse votre foi. Demeurez bénis. Dans la reine de la liberté, les esprits impurs ne peuvent se cacher. Encerclés par le feu du Saint-Esprit, ils sont détruits. Suivons ces délivrances opérées par le Achiapa Comari dans la reine de la liberté sous la direction du Seigneur. Le feu! Je m'appelle Bassam. Je ne veux pas qu'elle se marie. Oh! Ce sont les enfants de mes frères. Avec qui cet esprit de sorcellerie opérait-il? Il est déjà détruit. On est beaucoup. Sam. Pauline. Les esprits qui influençaient Nadège refusaient d'abandonner leur victime. Ils ne voulaient pas la libérer. Je ne veux pas. Maintenant, tu vas quitter sa vie définitivement au nom de Jésus. Depuis là, elle m'a béni. Aujourd'hui, elle est venue ici. Pourquoi? Tu es venu avec ta sœur. Tu es qui pour elle? C'est pour moi ta camarade. On était rivaux, mais son mari, elle est le frère de son mari. Esprit de sorcellerie, vous allez quitter sa vie au nom de Jésus. Non. Vous allez quitter sa vie maintenant au nom de Jésus. Arrêtez ça. Vous faites ça, je ne veux pas. Elle est arrivée dans cette arène de liberté. Tu ne peux plus avoir accès à sa vie. Au nom de Jésus, je commande le feu. Partez! Et s'élevant dans le règne, Achiapa Comari commanda le feu pour détruire toute cette confrérie de sorcellerie de famille qui avait menotté la vie de Nadège. Entourés par les flammes de toutes parts, ses esprits poussèrent des cris de douleur et furent détruits. Au nom puissant de Jésus, vous tous esprits de sorcellerie, quel que soit vos noms, je vous commande de sortir par le feu. Par le feu. Partez. Oh,
Sortez! Sortez! Et ne revenez plus jamais. Merci Seigneur. Je déclare qu'elle est libre au nom de Jésus. Délivrée de ce piège spirituel, Nadège expliqua comment elle était arrivée ce jour dans l'arène de la liberté. Un parcours difficile, périlleux, mais par force de volonté, elle avait réussi. Comment t'appelles ma fille? Nadège. Nadège. Comment tu es arrivée devant ici? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Aïe, comment tu ne sais pas comment tu es arrivée ici? Tu étais assise où? Je sais. Elle, ma soeur. Tu étais où est ta soeur? Ton amie? C'est elle qui est là? Elle, ma compagne. Et puis comment tu t'es retrouvée ici? Tu voulais venir plusieurs fois ici, mais tu n'arrives pas à venir. Pourquoi? Plusieurs fois, je regarde les vidéos. À chaque fois, j'ai la jambe, mais je ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à venir. Mm-hmm. Et aujourd'hui? Elle m'a appelé, elle m'avait parlé de ça. Elle dit aujourd'hui, seulement je viens. Et je n'ai même pas de transport. Ma petite soeur est au travail. Je l'ai appelée. Je dis, je veux partir. Ma camarade m'a déjà inscrit. Uh-huh. Elle dit, il faut prendre 2000 francs avec la nounou. Là. Je vais partir. Et tu es arrivé ici? Regarde-moi, il y a des esprits de sorcellerie qui bloquaient tout dans ta vie. Tout à l'heure, ils ont été exposés, ils sont partis tous. Tu es libre au nom de Jésus. Nadège l'a décidé et le diable, la confrérie de sorciers qui manipulait sa destinée, a été exposée. Aujourd'hui, elle est libre. Bien-aimée, toi aussi, tu peux décider du chemin que doit prendre ta vie. Il suffit seulement de le vouloir. Viens expérimenter la puissance du Seigneur. Marie croit que si la sorcellerie n'est pas le problème ultime, alors la délivrance ne peut être la solution finale. Si le péché est le problème ultime, alors le salut est la solution suprême. Faites de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Romains 10, 9 à 10.